2000. Non, c'est moi le lapin de Pâques. Non, changer, c'est. Quoique, je me vois bien là. Vous me voyez bien là? Oui. Je m'engage à les porter. Ces oreilles de lapin, j'ai capac. Bon, peut-être pas les lunettes, parce que, ouf, c'est ce qu'ont les yeux. Non, c'est des loupes. Je vais peut-être mettre mes lunettes de vue, hein. Ouais. Alors, ah oui, hein, ça va un peu mieux. Je me lève et je te bouscule. Tu ne te réveilles pas comme d'habitude. Sur toi, je remonte le drap. J'ai peur que tu aies froid comme d'habitude. Sans bruit, je quitte la maison. Tout est gris dehors, comme d'habitude. T'es froid, tu remontes mon col, comme d'habitude. Enfin bon, bref, hein. C'est pas froid, moi, il fait 21,4. C'est parfait. Parfait, parfait. Alors. Ouais, est-ce que ça vous gêne, là, les pinceaux, tout ça, tout ça? Ça n'a pas l'air. Oh, c'est bien. Parce qu'en fait, ils sont juste à côté du téléphone. Oui, non, mais ça m'a pris dans la nuit, là. J'ai tout rangé, tout s'est cassé la figure, là. Donc, j'ai tout rangé une fois, deux fois, trois fois. J'ai même pas dormi 4 heures. Si c'est vrai. Quand t'as joué de la plastifieuse, eh ben, je vais me servir de ma petite. J'ai toujours pas retrouvé. J'ai toujours pas retrouvé ma perforatrice. Alors peut-être qu'elle est rangée, mais alors là c'est l'aquarelle, les pinceaux. J'ai regardé dans les strass, j'ai regardé dans les encres. Encre spéciale qu'on ne peut pas mettre au mur. Après, c'est les bâtons de bois et puis les sachets. Après, il n'y a rien parce que c'est encombré. Je viens de chercher, je viens de mettre le fouillis pour chercher dans une espèce, ma grosse trousse. D'ailleurs, qu'il faut que je répare. De la couture à faire. Oui. Bon, bah, oh, on va. J'ai réussi à réparer ma pince. Ben, dites donc, hein, c'était pas du gâteau, hein, parce qu'il me l'a complètement. Ah, il me l'a destroyé, hein. Alors, moi qui aime bien ce pince. Je suis dégoûtée. J'essaie de redresser le ressort. Bon, ben, je fais ce que je peux. Et ferme pas. Ah ouais, non, mais là. Il m'a bousillé ma pince. Elle ferme plus. Où est-ce que j'ai mis?
La ferme puée est bonne à mettre à la poubelle. Il y a un jeu. Il y a un jeu, mais je l'aime bien ce pince-mince. Alors, j'ai mis le bazar dans les autres pinces. Bon, celle-là, elle est pas à ressort. Elle est. Voilà. Donc, c'est moins cassable. Et puis, de toute façon, il ne mettra plus les pieds ici. Il a peur de moi. Donc. Donc. Tout ça pour faire l'imbécile. Oui. Mes oreilles. Je sais pas si vous avez vu, mais là ça brille. Il y a des. Comment on appelle ça? C'est pas des sequins, c'est des. Ben, si, c'est des sequins, mais. Voilà. 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 Je me prépare mentalement pour faire. Ah oui, alors, hein, je l'ai bien séparé en deux. On va pouvoir y mettre pas mal de choses. Alors après, je vous le ferai en grand. Mais là, c'est du format. Allez. Ah, c'est même pas du A6 ni du A5. C'est du A quelque chose. Ah, mais bien sûr, c'est ça. Non. Par 10. Voilà. Du 11 par 10 et puis plus le plastique. Non, je ne chanterai pas la chanson. Bon, là, c'est que la couverture. Hein. Donc, couverture pas mal quand même, déjà. Hein. Je fais des efforts. Et puis, la couverture, même la couverture, elle a une des pochettes. Bon, alors. Prenez quelque chose avec double face quand même, parce que blanc, c'est pas noir, parce que noir, c'est noir. Non, non, ça ne chantera pas, c'est pas drôle. Oh, ben non! Ben non, ben non, ben non. Enfin, bon, bref, hein. Faut que je trouve et puis alors là le petit bout oui j'avais oublié il fait 8 et demi bah sur 10 8 et demi sur 10 donc vous doublez. Vous faites comme moi, vous passez tout la machine et puis vous coupez après. Recta. J'ai dit non, ça ne me convient pas, il n'y a pas assez d'ouverture. C'était vrai ça. Ça ne me convenait pas. Bon alors. Tant pis, je prendrai à chaque fois mon classeur pour faire les trous du tout. Mais bon, ça va bien dans les classeurs. Donc là, je vais me mettre en quête de papier. Alors, c'est les pochettes. Ah, attendez, cette nuit, j'envoie un message à ma curatrice.
Pouvez-vous, s'il vous plaît, me verser 50 €? S'il vous plaît. M'a répondu, je viens d'effectuer la demande. Je dis, parfait, merci. Et parfaite, hein? Ah, ça oui. Oui. C'est une bonne curatrice. Et heureusement, parce que. Ah, bah, j'ai un bout là. Un bout là. Un bout là. Non, c'est pas pour me moquer. Non, j'oserais pas. Bon, enfin, mon papier. Papier, les deux. Il y a. Bon, alors, ça, c'est des dossiers. Alors, j'ai fait mes anciennes pages avec les anciennes pages d'album avec je crois que c'est tandis que je les remets dans l'ordre. Non, il m'en manque un. Il m'en manque un. Il manque un carré. Bon. Bref, c'est celui qui est concerné qui manque. Et ben voilà. Ben voilà, ben voilà. Bon, et c'est pas ce que je demande. Bon, j'aurais besoin du massicot. Ok. Mais je veux chercher mes papiers dans les tons violettes. Je me méfie de tout maintenant. Alors. Violet, rose. Violet, rose. Là, celui-là est double face. Là, on a du rose, on a du violet, on a du vert. C'est double face. Ça ira pas avec ce que je veux comme papier. Celui-là. Voyons voir. Est-ce que ça va matcher? Ça pourrait matcher. Ça pourrait matcher. Ouais, ça match. Me demandez pas, je vous montre après. Original. Original. Ouais. Alors, sans compter qu'il faut faire 4 fois la même chose. Avec le peu de feuilles que j'ai. Mais j'en ai une autre, vous inquiétez pas. Voilà. Ça vous tente ou ça vous tente? Alors le papier, il paraît jaune, mais oui, mais bon. Hein, c'est ce que j'ai. Et double face. Donc, alors c'est du rose, hein. C'est du rose qui va vers le jaune. Et donc, ça match aussi. Voilà. Donc,
Alors j'ai dit, je fais un peu de scrap, hein, parce que. Et après, les gens vont dire, mais je fais plus de scrap, bah on s'en va. Mais non, 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 non. Je fais de tout. Je fais de tout. Je vais vous mettre en pause, il faut que je réponde. Voilà. Donc, je vais, pour ma part, découper. Alors. Bon, ça tient dans. Attendez que je trouve mes marques. Ça tient dans le bas de la page qui doit être un carré. Mais ça tombe très bien. Alors, j'ai dit celui-là. Voilà, je vais le faire en allant parce que. Ouh. Là, je vais me faire. J'ai pas de tête. Alouette. Non, mais je suis sortie des jeux de mots. Le petit. Il fait. Huit et demi. Bon, je coupe 8,5. Voudrais avoir les fleurs. 8,5. Donc, c'était un carré. C'était un carré de 20,5, non, si 20,3 sur 20,4, ouais, presque un carré, quoi. Donc je me suis coupé une bande de 8,5. C'est bien ça. Auquel je viens arrondir les bords. Oui, non mais. Hein, voilà. J'ai arrondi les bords. J'arrondis. Si, si, j'arrondis. Voilà. Donc, je mesure correctement parce que 1,3. Donc c'est bien 20,3, 10,15. Là, je coupe bien 3. Bien droit, un côté de côté, un côté de côté pour une page, hein. Une page, donc encore 8,5. Je vais faire 2 pages, 6. Alors là, je veux que les fleurs, que les roses.
Bah, ça me fera de quoi faire des décos. Ok, j'arrondis les angles. Alors, vous avez remarqué que je le fais que sur les côtés extérieurs. Pourquoi? Parce que l'intérieur, bah, c'est pas vraiment la peine. C'est pas la peine. Non, il n'y a pas de chanson. C'est pas la peine. En deux. Ça me fait deux pages. Hop là, vous voyez que hein, c'est type pas parfait. Deux pages. Alors, on va prendre le grand maintenant. Normalement, on met 100 lignes. Le grand fait 11 par 10, 11 par 20. Leur truc, il est pas droit. Je vais prendre ce côté-là. Hop là. Alors, on ouvre. Et là, on coupe à 10. Donc, voilà. Ça va pas là. Oh. Ça va pas là. Ça va pas là. Ah oui, bah voilà. Bah voilà. Bon, c'est pas grave. C'est pas l'intérieur. Eh ben, on va faire le contraire. Pourquoi ça fait ça? Quelle erreur j'ai faite? Bon, c'est point grave. On... Par 20, voilà l'erreur. Par 20, par 20, bah, il n'y a pas d'erreur alors. Recouper à 10, c'est tout. Oh. Faut se cliquer à 10. Il est pas drôle leur truc. On jette pas. Donc voilà, je suis bonne. Voilà, je suis dans le truc. Hop là. Donc, d'un côté et de l'autre. Peu importe le sens. J'ai des amis. Alors. J'arrondis le bord extérieur d'une page. Comme ça. De deux pages. Normalement.
c'est comme ça. Voyons voir. Oui. Et en fin de compte, c'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas bon. Qu'est-ce que j'ai fait de travers? C'est parce que j'ai pas pris. Bon, je vais arrondir les quatre côtés de celui-là. Parce que j'ai. En fait, c'est comme ça. Voilà. Bon, celui-là, je vais arrondir. Au moins le celui-là. Oh, puis je vais faire les quatre, allez. Donc voilà. Erreur réglée. Voilà. Hop là. Non mais. De toute façon, ça sera caché, donc voilà. Voilà. Bon, je vais enlever mes. Cochonnerie. Et je vais marquer une pause parce qu'il faut que je me lève. Si. Pause. Bon, bah ça a coupé. Oui, bon, ben. Alors. Que j'écarte ce qui est écarté. On va placer je regarde où est-ce que j'ai des angles arrondis. Comme ceci, comme cela, pour éviter d'en faire quatre. Voilà. Donc, je vous baisse mes mains. Alors là, j'ai une pochette qui a été entamée. Donc, je vais désentamer cette pochette. Alors, je le mets sur mes genoux, histoire de pas défaire. Complètement. La pochette. Oups, j'ai bougé. Voilà, ça me laisse un espace. Oh, ça c'est mon ventre. Ça me laisse un espace de disponible. Alors, je ne touche plus à rien. Si là je touche parce que c'est mal mis, c'est pas droit, ça ne me convient pas.
on aura un petit espace pour couper. Voilà. Donc, se munir de sa plastifieuse. Donc ça, on va pousser celle-là. Hop, la plastifieuse, on la branche. Bah oui, c'est quand même mieux. On va pousser tout. Tout. Je vais mettre comme ça en attendant que ça chauffe. Voilà. En attendant que ça chauffe. Et puis c'est encore de travers. Alors pourquoi plastifier tout ça en même temps? Vous allez voir. Et puis là, j'ai vu un truc. Ça va pas. J'ai poussé, j'ai tiré. Voilà. Ah, elle est presque prête. Quand elle fait ce petit bruit-là, ok, elle est presque prête. Alors j'ai dépoussiéré hier ce nuit. Et encore de la poussière. Tu comprends rien. Alors je vais peut-être me mettre un peu penché. Pour pouvoir. Voilà, elle est prête. Voilà, ça sera un peu penché, mais c'est pas grave. Tant pis, c'est lancé, c'est lancé. C'est un premier essai sans buter. Donc voilà ce que ça nous donne. Je vais la passer de l'autre côté, histoire que on va recouper au massicot parce que là.
je la repasse dans l'autre sens. Ce qui va redresser le truc parce que ça va faire un schmilblick. Ouais, il n'y a pas d'autre choix. Faut que ça sorte correctement. C'est corné. Hop. Attends, relâche. Ah, vache. Elle est coincée. À la bourrique. Ça glisse. Bah oui, bah oui, bah oui. Ah bah oui, c'est génial. Une pince. Voilà. Il ne reste plus qu'à tout repasser. La bourrique. Ça nous a jauni le papier. Bon, je repasse comme ça parce que là. Ah, la bourrique de vache. Bon, vous savez qu'il faut jamais mettre. Alors, je vais la passer de l'autre côté. On va réussir à la plastifier correctement. Faut jamais passer ce côté-là sans rien. Ah ouais, non mais la machine d'action, elle apprécie pas.
Bon. Bah, c'était pour vous montrer, mais là, hein, on va s'arrêter au massacre. Je vais vous montrer. Donc, on va recouper. Correctement. Un millimètre du bord. On va recouper au milieu. Voilà. Donc là, on a nos deux feuilles. On dit qu'elles sont bien. Hein? On dit qu'elles sont pas mal. Là, ce que vous allez faire, déjà sans faire les trous. Alors. Commencer par ce côté-là qui est de travers. Je vais pas commencer par celui-là, je vais commencer par celui-là. Bah donc ça va nous faire ça. Ouh là là, le ventre n'est pas content. On va dire qu'on va commencer comme ça. Là, vous prenez votre scalpel. Vous avez une petite bulle là. Donc, vous coupez la bulle. Pas au bord. Juste. Juste avant. Voilà. Ce qui nous donne une pochette. On fait la même de l'autre côté. Ce qui nous donne une autre pochette. Bon, celui qui est de travers, bah, il est de travers. Hein. Je vais pas le rattraper. C'est facile, il n'y a pas à avoir peur. Voilà, une autre pochette. Bon, ça sera dans mon carnet, mais essayez de faire mieux que moi. Si vous n'avez pas de bourrage, la mine n'aime pas. Voilà, deuxième pochette. Ensuite, donc, nous en sommes à là. Les trous. Alors là, les trous, ma perforatrice, elle n'aime pas. Donc, je vais me baser sur celui-là. Oui, je suis dans le bon sens. Voilà, éteint, c'est à ras. Le deuxième, faut que je prenne les. Dimension. Voilà. C'est plutôt bien.
Donc on va faire la même pour l'autre. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais mettre comme ça, si ça veut bien descendre, que je vois quelque chose. Non. Je reprends le truc parce que je l'ai pas marqué assez. Et de deux, pile poil. Donc. Ça sera à la longue. Donc on va prendre nos petits anneaux. Et on va mettre tout ça dedans. Voilà ce qui nous donne des rangements. Bon, là, c'est en petit format. Mais bon, vous aurez compris le principe. Franchement, là, je m'arrête là parce que ça va faire plus de 35 minutes. Avec l'acharnement sur la plastifieuse. Eh non, mais elle aime pas, hein, la plastifieuse. Non, non, non. Donc voilà. L'épisode du lapin de Pâques, il n'est pas fini. Donc on range les armes. Merci la pince. Et puis, bah, plus ça va aller, plus vous avez vous allez grossir. Ça va être d'accord. Plus ça va aller, plus vous allez grossir votre carnet. Je ferai en grand quand ça ira mieux. Je sais pas quoi. Voilà. Donc, bah, je vous dis à plus. Et voilà.